Évacuez l'air de l'enfant. Évacuez l'air de l'enfant. Mise à feu. Trajectoire optimale. Mise en orbite imminente. Du professeur Xantas, monsieur le comte. Et voilà le comité d'accueil. Ça va faire un reportage formidable. Fantasio va regretter de ne pas être venu. Top, la nouvelle console. On peut même jouer en réseau. Sympa de m'avoir invité à venir la tester avec toi, Fantasio. Niveau 4, bravo, Zaoki. Oh, Spip, allume la télé, ça va être l'heure. Au cours des premiers essais, cette sonde à voile photonique a pu faire l'aller-retour Terre-Mars en 2 jours. Ce qui signifie qu'elle se déplace à la vitesse de 300 km par seconde. Vous assistez actuellement à un test de distance en autonomie réduite. La sonde sera de retour sur Terre dans quelques heures. Capable d'atteindre des vitesses subliminiques, elle ouvre enfin la voie de l'exploration de l'univers. C'est pourquoi cette année, l'Institut mondial de la science a décidé de rendre hommage à ses concepteurs. J'ai nommé le docteur Lem et le professeur Xantas. Absolument fascinant. Bravo, cher confrère. Et merci. Oh, ce n'est qu'un modeste champ de force à induction électromagnétique tridimensionnelle. Une bagatelle comparée à votre sonde. Le seul scientifique de l'histoire de l'humanité qui mérite un hommage n'est autre que le génial Zorglub lui-même. Début de transmission. Je sais, Champignac passe à la télé. C'est un événement incroyable qui vient de se produire. Alors que l'IMS fêtait deux de ses plus grands scientifiques, Zorglub, de sinistre réputation, est invité à la cérémonie. Messieurs, je crois qu'il est temps de faire cesser cette mauvaise farce. De quoi j'avais l'air avec une couronne sur les yeux? Une telle bévue ne doit jamais se reproduire, Zéro. Jamais! Et vive Zéros! Mettez en place un relais. J'en fais autant depuis mon laboratoire. Entendu, cela devrait nous permettre de localiser l'origine du rayon de Zorglub. Je crains que tout ceci ne soit que l'avant-goût d'un projet beaucoup plus conséquent et dangereux. Vous le connaissez aussi bien que moi, non? Plutôt que de reconnaître mon génie, Champignac a préféré détruire les sculptures. Réaction mesquine mais prévisible. Croit-il que j'ai mis en œuvre toutes les ressources de mon génie pour une simple sculpture, fût-elle liquide? Le grand Zorglub a besoin d'un hommage à la mesure de son génie. Un hommage que nul sur Terre ne pourra plus désormais ignorer. La ponctualité et la politesse des comptes. Ça y est, nous avons une partie du signal. Je vous envoie les coordonnées pour finir la localisation. D'accord, je lance mon programme avec vos données. Orientez votre télescope sur cette zone. J'en ai pour une seconde, Champignac. Tout
toujours aussi mégalo, le Zorglub. Vu les dimensions de l'engin, il dispose d'une puissance considérable. Oui, mais pourquoi faire? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Mes amis, nous devons nous attendre au pire. Il nous vise. Professeur Xanthas, pouvez-vous localiser l'endroit d'où Zorglub opère? Nous pouvons peut-être l'empêcher de... Sacco! Encore en train d'essayer de contrarier mes projets. Vaine entreprise. Mais je vais te laisser un souvenir plus durable qu'une statue liquide. Zéro. Jardinage industriel maintenant? Garde tes sarcasmes pour une autre occasion, car vois-tu, je peux frapper fort. Ou sculpter les détails les plus fins. C'était moi une. Zorglub! Espèce de malade dégénéré du bulbe! Vous avez failli blesser votre fille! Papa, arrête, ça va mal finir! Zaok, mais qu'est-ce que tu fais là? J'imagine que tu ambitionnes autre chose que de faire de la pyrogravure! Mais au nom de notre ancienne amitié, Zorglub, explique-moi ce que ton cerveau malade a pu encore imaginer. Si je te le dis maintenant, il n'y aura plus de surprise. Quant à toi, Zaoki, nous reparlerons de tout ça plus tard. Où étiez-vous passé? Nous avons localisé la base de Zorglub. Merci. Il est temps d'avoir avec lui une discussion sérieuse. Il ne vous écoutera pas. Moi, si. Enfin, je crois. Mais c'est en montagne. Spip, j'ai l'impression que l'on va encore devoir jouer les alpinistes. Tu ne crois pas si bien dire. Cette île est parfaite pour une ultime répétition avant de passer aux choses sérieuses. Zéro, on doit pouvoir reconnaître mon physique avantageux au poil près. Satellite en position, scan modeler en mode hyper définition. Poil 2 mm 3 égale 2 km 3. Mmh. Quand je dis au poil près, ce n'est pas ce genre de poil que je pense. Oh, et puis zut! Miroir holographique et mon épilateur sonique. Zéro. Encore une bourde comme celle-là et tu vas en salle de reconditionnement. Et d'abord, corrige-moi cette atrocité! Et vive Bulgros, non! Hein? Vive Zorglub! Oh. Fantasio, ça fait 2 heures que tu joues. Je te signale qu'on est en approche. Et alors? C'est pas Zorglub qui m'empêchera d'atteindre le niveau 9. Maintenant, je suis prêt pour le dernier acte. Mémorisation, profil et programmation du Zorg satellite en cours. Détecté. Champignac et ses amis, sûrement. Unité pour interception. Je tiens à ce que Champignac assiste à mon triomphe. Par de brutalité qu'il soit, les bienvenus. C'est ce que j'aime chez ton père, la finesse et l'humilité. Zaoki, Paco, vous arrivez juste à temps. Oh, mais vos deux amis journalistes ne sont pas avec vous. Je suppose qu'ils essaient encore de jouer les héros. Il serait dommage qu'ils n'assistent pas à l'apothéose de mon immense génie. Mes fidèles orgloïdes vont se charger de les inviter. 2 unités en patrouille. Mais qu'est-ce que... N'oublie pas, si on tombe sur les orgloïdes, il faut seulement appuyer sur l'arrière de leur tête pour les déconnecter. Ah ben en attendant, je vais seulement essayer de rester entier. Hein? Zorglub a toujours eu un goût prononcé pour les endroits juste inaccessibles. Et oups, à peine dangereux. Un vrai travail de pro. Après toi. T'es sûr que c'est la bonne clé? Laisse faire le pro, je te dis.
Probabilité de chute à 99%. Intrus hors d'état de nuire. Regarde. Zaoki, tu me dois quelques petites explications. Ta présence à Champignac... Franchement, papa, tu ne trouves pas que tu exagères? C'est toi qui nous dois des explications. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta fille a parfaitement raison. Arrête de te comporter comme un enfant. Tu m'as déçu en rendant hommage à ces deux amateurs que sont Xanthas et Lem. Dès que mon Zorg satellite sera en position, l'humanité entière sera contrainte de reconnaître mon génie grâce à l'opération Zorg Paul. J'ai préparé pour vous une modeste simulation. Le génialissime Zorglib, seul scientifique qui mérite un hommage planétaire. Le pôle Nord prendra alors mon nom. Tu veux Zorglibiser le pôle Nord? Comment ça va pas mieux chez lui? Il est temps de passer à l'action. Si seulement on pouvait atteindre la salle de contrôle. Tu aurais pu être un scientifique digne de respect, mais ton désir maladif de reconnaissance t'aveugle, Zorglub. Tu permets? Une fonte glaciaire implique obligatoirement une élévation anormale du niveau des eaux. Sauf que la glace ne va pas fondre, mais s'évaporer grâce à la chaleur de mon rayon qui entraînera la fonte totale du pôle. Mais l'intensité de cette évaporation est subtropicale. Conséquence, c'est une grande partie de la réserve d'eau douce mondiale qui va disparaître. Tu essaies de me manipuler, tu ne comprends rien à mon génie. C'est toi qui ne comprends rien. Sans eau, pas de vie. Papa, qu'es-tu en train de faire? Toi qui prétends toujours vouloir le bien de l'humanité. Zaoki, c'est la deuxième fois. Je t'interdis de me parler comme ça. File dans ta chambre. Nous réglerons notre petit différend plus tard. Je sais ce que tu vas me dire. Fantasio fait diversion pendant que je vais saboter l'installation. On ne peut rien te cacher. Oh. Alerte, intrus opéré. Oh non. Mais, ça te va, ça, comme diversion? Empêchez-les d'atteindre les angléoptères. Ils ne doivent pas s'enfuir. Familiarité, stupide brute métallique! Arrêtez-la! Papa, je veux juste t'empêcher de faire une bêtise! Oh, no.
Arrêtez, sinon je l'épile complètement. Non. Quand je pense au mal qu'il se donne pour stopper mon satellite, pour rien, ça me mettrait presque de bonne humeur. De contrôle isolé, opération Zorg Pole déclenchée. Satellite en phase de positionnement, compte à rebours Z-5 minutes. Oh. Spirou, au secours! Il ne manquait plus que ça! Mais qu'est-ce que t'attends pour me déconnecter? C'est facile maintenant qu'il a les mains prises! Facile, facile, je suis pas monté sur roulette, moi! Bravo, Spirou! Ouais, mais ça aurait été une bonne idée de le faire lâcher prise avant de le bloquer. Toute résistance est inutile. Rendez-vous. Zaoki d'urgence. Bravo, Zaoki. Comment as-tu fait ça? Il y a longtemps, j'ai ajouté une ligne de programme au cas où les anges gardiens de papa deviendraient trop envahissants. Z-3 minutes. Tu peux en faire autant avec l'opération Zorg Pole? Non, tout est géré depuis la salle de contrôle. Et vas-y, je peux me débrouiller tout seul. Ah, comment je fais maintenant? Mais... Oh, Zaoki, la console, est-ce que tu l'as toujours avec toi? Mon cher, croyez-vous vraiment que ce soit le moment de jouer? Ma propre fille m'a trahi alors que tes amis semblent beaucoup tenir à toi. Doucement, ça, ok. Est-ce que tu peux être douillet? Z-2 minutes. C'est un rideau électrique. Il faut le code pour commander l'ouverture. Laissez faire le pro. Voilà. Hein? On appelle ça le talent. Papa, arrête! Il est encore temps! Non, Zaoki. Dans quelques minutes, tu comprendras enfin toute la portée de mon œuvre. Il a piégé Spip! Désolé, messieurs. J'aurais aimé savourer mon triomphe en votre compagnie. Mais j'ai rendez-vous avec l'histoire. L'humanité va enfin connaître le visage d'un véritable génie. Et je tiens à être sur place pour donner les premières interviews. N'essayez pas de me suivre. C'est votre petit compagnon à poil qui en pâtira. Épilation programmée du mammifère en cas d'interruption de l'opération Zorg Pole. Le satellite est quasiment à la verticale du pôle. Je n'arrive pas à en prendre le contrôle. Et ça, qu'est-ce que c'est? La sonde de l'EM Exantas. Pourquoi? Doucement, Zéro. Le Zorg Pole sera notre revanche. Le coup de l'extincteur, ça marche toujours. Trop tard! Le pôle va être irréversiblement zorglubisé. Zorglub a gagné. La sonde, ses voiles sont de véritables miroirs, non? Sabre de bois, c'est vous le vrai génie, Spirou. Par contre, Spirou, que se passe-t-il? Le pôle est en train de... Je sais, messieurs, c'est le moment de nous montrer ce que votre sonde a sous le capot.
Mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que les dommages causés au pôle Nord sont minimes. Le Zorg satellite a été stoppé à temps. Nous devrions voir mon rayon refaire le tracé de ce continent, je ne comprends pas. Hein? Le satellite augmente sa puissance pour atteindre le pôle, ça ne peut pas marcher! Il va entrer en surchauffe et... C'est à vous, Spirou, que l'on aurait dû dresser une statue. Xanthas a raison. Sans vous, la Terre telle que nous la connaissons n'existerait plus. Nous vous devons une fière chandelle. Oh, ça fait toujours plaisir de compter pour du beurre. Merci d'avoir empêché papa de faire une grosse bêtise. Dans le fond, ce n'est pas un mauvais homme, tu sais. J'espère seulement que maintenant, il sera un petit peu moins tout feu tout flamme.